Bah, c'est toi qui as mis plein de petits pinceaux là. Hugo papa, c'est qui? Mais c'est moi, papa. Oui, c'est papa. Mais il y a maman. Oui, il y a maman. Et il y a les pieds recouverts d'autocollants, par et bien. Un jour, papa, on met papa. Bon, coucou. Coucou, papa. Il faut que tu dises coucou, Dylan. Coucou. Papa, il est bien chaud. Le coucou, papa, à moi le coucou. Coucou. Coucou, mon gars. À maman, coucou, papa. Boubou. Et on est... Il y en a encore plein sous l'autre pied, hein, je tiens à te dire. Hein. Tu m'as recouvert le dessous du pied. Ali. Oui, tu prends tout le dinosaure. On est en train de transvaser les autocollants qui étaient sur mes pieds, puisqu'apparemment, selon Eden, docteur Eden, j'avais plein de bobos. Et maintenant, je vais ouvrir son cahier pour qu'il puisse coller aïe dessus. Bon, bonjour les amis, je vous ai pas encore montré ma tête, je suis en train de bosser sur démontage. Maman. Et je reçois un colis. Il est bon. Emballage carton. C'est discount écrit partout. Je le touche, j'ai rien commandé. Papa, sur... Non, alors là, surtout pas ça. J'ai rien commandé sur ces discounts, je comprends pas. Et donc, avec Anto, on est en train de regarder. Je fais, c'est bizarre, on ouvre le carton. Les amis, c'est mon MacBook Pro. Je sais, bizarre quand même. Je sais que je l'ai commandé sur Amazon, mon MacBook Pro. Je veux dire, ça. À la je taille, pas Amazon. À la taille du carton et au poids du carton, ça pouvait être que ça. Bah, de base, on attendait, c'est ta petite télécommande. Ouais, aujourd'hui. Et en plus, c'est marqué sur Amazon que ça doit être livré entre le 21 et le 23 mars. Et quand on regarde sur le suivi, il n'est pas marqué arrivé. Alors, bon, il est arrivé il y a 10 minutes, même pas 10 minutes. Donc, du coup. Suivre colis, il est marqué. Mais je verrai pas Amazon m'envoyer ça dans ce carton. C'est hein. Discount, c'est eux. Parce qu'eux, ils l'ont commandé expédié et en transit. Donc là, il va se mettre. Ouais, non, de toute façon, je m'attends pas à recevoir un deuxième MacBook. Enfin, juste, bah, je suis super contente parce que je m'attendais à l'avoir la semaine prochaine. Mais ils ont prévu entre le 21 et le 23 mars, ils te mettent là. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, on est le 17, mon cœur. C'est pas normal qu'ils te mettent ça, surtout Amazon. Généralement, ils sont hyper précis dans leurs trucs. Oui, mais tous les autres trucs, ils ont été nickel. Et le problème, c'est que, ouais, c'est Discount qui t'envoie ça. Enfin, le carton et c'est Discount. Le carton, c'est Discount. Alors, est-ce que l'expéditeur, la marque qui doit être sur les deux sites de vente et qui s'est planté, qui nous a mis dans un carton, c'est Discount, c'est possible, hein? Je pense que le souci doit venir de là. Enfin bref, c'était la petite anecdote du jour. C'est qu'est-ce que mon MacBook commandé sur Amazon fait dans un carton, c'est Discount. J'ai préparé à manger pour Lily, c'est en train de cuire dans notre super cookéo. Laure est partie chez sa maman pour faire charger des vidéos. Tu es en train de faire alors finalement très simple. Très simple. Bon, c'est lentilles, steak haché, tout simple. Là, on a le petit pot à Lily. Donc, ça va faire. Là, c'est un peu sucré pour l'instant parce que c'est carottes. C'est carottes et tomates. Qu'est-ce qu'il y a, petite pifi? Qu'est-ce qu'il y a, ma Lily? Qu'est-ce qu'il y a, ma Lily? Ça va? Ouais! Je suis debout! Bon, je vous reprends, les amis. C'est presque 15h. Je vous ai abandonné en milieu de matinée pour ma part. Je suis partie chez ma maman. Je devais finir de rendre des dossiers vidéo, mes derniers dossiers vidéo que je rendais. Et c'est vrai que je vous ai jamais vraiment expliqué ce que j'ai fait. Et que je vais plus faire à partir de lundi. Donc c'est aussi ce choix qui m'a permis de faire ce que vous avez dû voir normalement dans la vidéo d'hier à 18h. Pour le moment, j'ai aucune. Enfin, je vous dirai tout à l'heure un petit peu ce que j'en pense de vos retours, etc. Suite à la vidéo qui sera sortie. Moi, en fait, j'ai commencé début janvier à bosser hors YouTube.
Enfin, je suis sur un projet déjà hors YouTube qui sort le 6 avril, mais là, c'était du freelance, c'est-à-dire qu'à mon compte, à côté, pour d'autres boîtes, je faisais du montage vidéo. Et ça se passait très bien, nickel, mis à part au niveau organisation, où c'était un emploi du temps de fou que je m'étais imposé. Je m'en suis pas rendu compte au moment où j'ai pris ce job en plus de YouTube. Et c'est vrai que je réfléchissais de plus en plus à pas continuer ce job parce que ça m'imposait voilà, le rythme qui me convenait pas et j'avais plus autant de présence auprès de mes enfants que ce que je souhaitais. Sauf qu'entre temps, c'est vrai que on me le dit souvent pour les gens qui me connaissent, mais je m'en rends pas forcément compte. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, quand il y a besoin de dépanner, je dépanne, il n'y a pas de souci. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'ils étaient toujours à me demander un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous faire ci? Est-ce que vous pouvez dépanner pour ci? Genre un message, un mail à 22h le samedi. Est-ce que vous pouvez faire cette modification sur cette vidéo pour lundi matin? Donc, moi, normalement, je devais pas bosser les week-ends. Et je me retrouvais à bosser les week-ends, etc. Et à un moment, il y a eu un échange de mails qui m'a pas plu, où j'ai ressenti vraiment un manque de respect de la personne en face de moi. Et pour moi, ça a été un petit peu la goutte de trop. Où en gros c'était limite menaçant du style bah, si vous pouvez pas ça peut être possible de continuer à collaborer et voilà être trop beau mais on est aussi trop vous aurez compris ce que je veux dire. Bon les amis, Anthony rentre juste à l'instant de course, donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas pris avant des bouteilles de vin, je vous en sors. Bref, tout ce qui était gâteau, yaourt, etc. pour les enfants, on en avait plus, on n'avait pas pris un stock qui a pris plus de choses que prévu. Toi pourquoi il y a des bières? Pourquoi les bières? Parce qu'il y a... Une promo? Ouais, mais on va dire que c'est comme ça si tu veux. Ouais. Non, parce qu'il y a Pays de France qui prend le coup, parce que je me suis dit, c'est pas possible, on garde un match de rugby sans avoir une bière dans la main. Et le fait d'avoir peur de pas trop en avoir, j'en ai plus de pack. Voilà. Ce sera sans commentaire, hein, n'est-ce pas? Alors le coucou les amis, on se retrouve en voiture, je suis unique ma cliente, je l'ai pas parce qu'elle est de dos dans son siège. On se rend au plateau des couleurs parce qu'il faut que j'aille faire le plein de draps. En fait, je veux changer notre couette, nos oreillers et les draps pour nous parce que ce qu'on a, c'est ceux que moi j'avais ado. Donc, on va vous dire que ça fait un moment et j'en avais pris. Effectivement, vous allez me le rappeler sur la redoute. En fait, je me suis plantée dans les tailles. J'ai tout renvoyé. Pour le moment, j'ai pas encore le remboursement. Donc, il faut que je les relance pour savoir quand est-ce qu'ils vont me rendre mes sous. Mais en attendant, du coup, je vais à un magasin sur le plateau des couleurs qui est, je sais plus quel nom, mais qui a des prix corrects. Et du coup, ça nous permet de changer tout ça. Me voilà avec petit cœur. Regardez, je lui ai mis son nouveau manteau, sa nouvelle écharpe. Ça lui va trop bien. Alors là, c'est Babou. Voilà, je suis devant la boutique. J'ai retrouvé le nom. C'est à Babou que je vais. Donc c'est marqué tout pour la maison. Je sais pas pourquoi sur le coup j'ai dans ma tête je pensais bambou mais je dis ça me parle pas, je sais pas pourquoi. Babou, babou, babou. Voilà, donc on va essayer de trouver notre petit bonheur là-bas et j'ai emmené que Pépette. Parce que Eden c'est le week-end donc il a droit à un dessin animé et du coup il a demandé le truc de dinosaure. Par contre il me demandait plus le nom du Disney, je l'ai oublié. On est attends. En voiture. Est-ce que c'est mieux sans ça? Ouais, un peu, hein. On est en voiture avec Chouchou. Bon, finalement, je vous disais que finalement, on n'avait personne pour garder les enfants. Puis mon papa, au dernier moment, a pu. Donc du coup, il est venu garder avec Sandrine et Daniel et Iris. Donc on est plutôt contents. Donc au dernier moment, on a dit à nos potes, bon bah c'est bon, finalement, on vient. Donc nous voilà partis. Moi, j'aimerais trop... Elisa est d'accord avec moi pour qu'on fasse un laser game après avoir mangé. Oh. Je n'ai pas fait de laser game. C'est pas toi qui décide, c'est son anniversaire d'abord. J'ai trop de copines qui sont nées en mars. Pas un laser game, un karting. Non, un karting, je me suis fait hyper mal à la nuque la dernière fois. Faut dire, de ce dont on vous parle, la dernière fois qu'on a fait ça, on n'avait pas encore Eden. Ça remonte il y a plus de 3 ans, j'étais pas enceinte, donc ça remonte il y a plus de 4 ans. C'est pour dire à quel point j'étais jeune. Oui, tu étais jeune mon amour, mais tu restes jeune dans ta bêtise. J'ai trouvé ma lili. C'est on est sans nous, bébé. On est en mode jeune nana. Non, parce que toi t'es presque vieille. Parce que alors Camille est du 13 et Lise du 19. Donc en fait elles me font hic parce qu'elles coûtent cher en peu de temps. Et Lise elle est plus vieille que moi parce qu'aujourd'hui lundi tu auras 25 ans. On est de la même année mais moi je suis novembre donc j'ai 20 ans. Je m'approche de la trentaine. C'est un peu large quand même parce que Camille a 27, c'est plus proche pour elle. Elle a eu 27. Elle est plus âgée que nous, Camille. Ah ouais. On dirait pas, on a l'impression qu'on est quasiment de la même année, quoi. Ouais. Bon, ça, je l'en vois pas trop de différence maintenant. Hein. Et toi, t'es un bébé. Moi, je suis un bébé, j'ai encore 24 ans. T'es de fin d'année. Nanana.
Et donc on va manger ou à Valence ou pas en selle. Et ben on va voir si, parce qu'on n'a pas réservé, donc on va voir. Mais si pareil, ils veulent faire, les garçons veulent faire après du karting, mais tu sais qu'un samedi soir du karting, faut réserver, hein. Bah en arrivant, je pense qu'il faut donner ton nom et parce que on va faire un bowling en attendant. On verra comment s'organise. Donc bref, soirée. Je pense qu'on va aller au passage piéton là, non, folie. Un pavé de saumon. Merci. Et si on a les deux viandards qui ont pris? Non. C'est vegan. C'est vegan. Ah, mais oui, regarde. C'est de la salade. On a pris. Ouais, d'accord, ouais, ils ont tourné leur rein. C'est mort. Et puis vous deux, bah vous mangez pas. Hein. Bon appétit. Bah non. Moi j'ai pris des ravioles. Pris des ravioles. Viens à votre tour. T'es prête? Allez, Lise. Oh, Lise, à 30 ans, je suis passé. Hein. Attends, j'avoue. Il y a un chat. Qui qu'elle est trop grande en plus. C'est quoi ce bruit? C'est un chat. Il est où? Ou un bébé avant tout. Pas moi. Attention les nénés. C'est quoi qui miaule comme ça? Non, c'est un gamin. Non, c'est un gamin, je crois que c'est un chat. Ah! Oui, non, c'est bon, c'est il. Mais oui, ma mioche, mais il est tout seul? Non, il y a. Anto, touche pas à ma voiture! Tout le monde, je vais nous piquer notre mini. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein. C'est, on peut faire un petit tour? Et là, on va direction le bowling. Oh, j'ai réussi à passer sous la barrière chou. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Ouais. J'étais le premier à faire le truc aux 30 ans. Si je passe, si j'y passe pas, c'est une arnaque. Attends, il y a Gauthier qui vient nous voir. Et donc, c'est Anto qui commence, après c'est moi. On est 8 joueurs. Et on va voir qui va gagner. Moi, je parie sur Élise perdante. Ah non, attention, parce que moi, je suis très très mauvais. Hein. Toi, t'es très mauvais. Ah, j'ai peut-être des chances de gagner. Ah, hein. Ouais. J'ai peut-être des chances de gagner, on va voir. Par contre, faut que je trouve le coup à moi. Ouvre la danse. Wouh. Ah. Pas mal, hein, pas mal. J'ai mis de l'effet, mais je l'ai trop lancé à gauche. Allez, vas-y. J'ai fait combien, moi? C'est le kilométrage qui m'intéresse. Ah bah, ça va le dire. Tu as fait 3, mon cœur, 28,1 km/h. Allez, vas-y. Oh, bien droit, là. Wouh, strike, bravo, chouchou. Non, c'est pas. Allez, oui. Joli! Tu mets de l'effet, toi! I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way.